What the fuck? Du coup, là, on est à Nantes. On vient d'arriver aux facultés. Donc là, le plan, c'est d'aller monter sur les toits et trouver quelques petits trucs pour s'échauffer. C'est parti. Bon là du coup les gars ils sont en train d'essayer de trouver plein de petits challenges un petit peu partout sur le spot. Et après pourquoi pas les lier et faire des lines. On fait les secrets de chaud. Où est-ce qu'il arrive le mur du... Il arrive à son zizi. C'est un petit peu bas quand même pour un pimp clip de chaud. C'est un peu bas pour un pimp clip de chaud. Du coup la mat, il aimerait bien faire Lloyd. En fait là ce qui est galère c'est que l'atterrissage il est très restreint. Il faut pas qu'il pousse trop sinon il va totalement sortir de la zone et il va se rétamer. Ah oui. Non mais je vais le faire avec le petit saut avant là. La physique je peux pas rajouter un truc. Slide, mon short il a pas tenu. T'as une poche maintenant? Oh, laisse tomber, c'est bien niqué là. Là le projet c'est on va trouver un roof cap et on va le faire. Le truc un peu technique avec ce roof cap c'est que la récep est vraiment en pente, pas du tout dans l'axe du saut, donc ça va être un petit peu sketchy. Mais normalement ça peut le faire. Sauf que c'est genre la maison du vigile, on doit passer genre par dessus son jardin. Ah, du coup si chaud. On peut passer par le tuyau ça peut être cool. Ça accroche bien, on va recommencer. Je pense qu'il faut atterrir face. Il va falloir tourner dans le saut pour atterrir face ici et faire une sorte de Didi roll. Récent. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Élan ici. Et là, par-dessus les paraboles, on arrive juste ici. Là. Matt et Léo vont se lancer sur le drop alors que les autres sont en train de gérer la sécurité qui vient nous voir. Du coup, ça va partir tout de suite. Là on vient de descendre du roof gap, donc Romain et Léo l'ont fait, donc Léo l'a fait en front. Romain s'est fait un petit talon sur la réception, mais malgré tout il a réussi à finir le run. Pour marcher c'est chiant, mais ça va, on devrait s'en sortir, on devrait pouvoir continuer à bouger après. Bon on enchaîne de spot parce qu'on s'est un peu fait virer à fac de sciences, du coup on va fac de lettres. On va voir s'il y a des vigiles aussi là-bas. Ce qui est très très cool avec ce toit, c'est qu'en fait il est crescendo, c'est-à-dire que le gap il s'agrandit au fur et à mesure. Et là ici, si on part de là et qu'on arrive là-bas, ça commence à faire un sacré gap. Ouais, je pense qu'il y a au moins 16. En vrai on va tester de le faire avec Léo, ça va partir. 3, 2, 1, go.
Yes, I. Yes, yes. Oh, yes. Bon, le détente, c'était parfait. Du coup, on va remonter là. On va voir si ça se fait en fonte. On fait du cliff, nous. Il a fait son running gunner, il a attrapé ses jambes là, il nous a fait un truc à la Spider-Man, c'est incroyable. Franchement, je le sens bien, mais juste, je pense que je vais mal doser. Je vais manger la vitre, c'est sûr. Y a pas d'échappatoire. C'est sûr, je vais manger la vitre. Allez. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un là. Oh lui. Oh la dinguerie. Oh yes. Ah, je suis refait. Oh, il a réussi. Quelle machine de guerre. Oh, il l'a trop bien dosé. Il s'est même pas mangé la fenêtre en plus du coup. Bon vas-y, on se casse en tête. Là on a trouvé un press. Et sauf qu'il y a un petit problème. Le rebord, il est incurvé. Du coup bah c'est comme si t'étais sur une barrière, c'est instable. Il y a Tomé pour m'aider. Il va se mettre là et je vais tenir. Allez. Let's go. Yes. On a trouvé un jump là. Il faut faire, on part en presse ici et puis on arrive sur le petit muret collé à la vitre. Et sauf qu'il faut pas tomber parce que si on tombe, on tombe dans un énorme buisson. On allait voir quand même. Genre Flo, il a fait un petit test ici là. C'est, ça va, c'est un peu mou, mais bon, ça fait quand même flipper quoi. On sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Du coup, on va y aller un par un. Yes. 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 Ah yes. Oh putain, ça fait plaisir. La petite technique d'arriver genre légèrement un peu sur le côté, genre pas comme ça, ça aide un peu à mentir. Carrément. Du coup, c'est crème. Je suis curieux de savoir quand même si on avait bounce back dans le truc, si c'est vraiment mou ou pas. En vrai, t'es chaud, on saute ou quoi? Ouais, vas-y. Ça se trouve, c'est mou, hein. Oh. C'est hyper mou les gars, putain. Mais je fais juste un petit saut dans les buissons parce que ça a l'air marrant. Vas-y, ça part. Quoi? Et là tu t'empales, tu sais. C'est fou. C'est tellement enfoncé. Ça a l'air plus dur aussi à moitié. J'aimerais trop mais... Bon les gars, ils vont partir d'un petit peu plus haut. Ils vont se jeter de là. Je refais une petite coulée là. Monsieur fait des coulées dans les buissons. Non, en vrai c'est chill, Flo, hein, tu peux y aller. Je sais pas ce qui se passe avec ces buissons, mais ils amortissent de ouf. Hey Flo, doucement, doucement. Le mec sort des ligaments croisés. Mais non, mais en vrai c'est chill à moi là. Wesh. Allez Flo. Là j'ai fait un petit salto avant là-dedans là, en mode chute de cascade. J'ai vu qu'on pouvait sauter de un peu plus haut, d'ici là. Je sais pas combien ça fait de mètres mais... Je pense il y a... 7... Je sais pas, j'ai un peu l'habitude de sauter en cascade, enfin avec l'école de cascade que je fais. Et mais c'est dans un airbag. Bon là les buissons ça ressemble un peu. Mais ouais je dirais un 7-8. Mais là, là à sauteur là faut vraiment bien atterrir sur le dos parce que tu vas peut-être le sentir un peu. Ouais, vas-y bah on va et voir. Et souffle bien quand t'atterris comme ça. Parfait. Yes, vas-y, bah j'ai les conseils du pro, ça part. C'est bon. Je peux monter? Ouais. Ils trouvent des via ferrata en pleine ville, genre comme ça dans la fac. Mais on restait en bas parce que les buissons sont en biais et bah du coup avec les sauts qu'on a fait juste avant c'est trop stylé. Mais on glisse un peu sur le côté. Bah normalement ça devrait le faire, faut juste qu'il atterrisse bien à plat. Parce que moi j'ai fait un saut, j'ai touché un petit peu le fond, mais parce que j'avais mis le cul en pointe. S'il ouais. Atterrit bien à plat, normalement y a pas de problème. De ouf. Mais ça va être la folie. On va pêcher du Florian. Ouais en vrai je crois que c'est bien au moins.
Mais je pense que ça va partir, hein. Y'a pas de raison. C'est parti d'ici, donc En vrai, ça va passer, je pense, hein. Ouais, je crois qu'il va y aller, les gars. Là, je pense que ça va partir. C'est vraiment fou, putain. Flo, il est tout en haut et il va drop tout ça, là. Phil ! Ouais, c'est quand tu veux. Y'a un plat. Mais ça va! Oh la vache! Mec! Oh mec! C'est un malade mental! Oh le monstre! On avait popé de là-haut! On avait un Florian popé de là-haut! Mec, c'est abusé! Je l'ai plus vu après quand il a atterri! Ça fait combien là? Je sais pas, mais il y a plus de 8 mètres! Mec, pour moi, il y a plus de 8 mètres! Dans un buisson! Il a cliff dans un buisson, genre 8 mètres! Il a fait un gros plateau! C'est un malade! Il était posé dans son canapé, il était comme ça! Mais là, il est dans son canapé. Mais de ouf. Mais c'est incroyable. Il a disparu. Non, en vrai, c'est vraiment un putain de génie ce type. Je le kiffe. Mais du coup, c'est quoi? Ça a poké? Ouais, ça réveille quoi. Bah, quand t'arrives, tu sais que t'es vivant quoi. Bon, ça y est, la session kiff dans les buissons, c'est terminé. Là, on enchaîne deux spots. C'est parti. On essaie de repérer un autre roof dans la fac. On s'est pas encore fait virer, donc on continue. Là-bas, il y a une petite barrière. Là, il y a des petits blocs à moitié en mousse d'isolation. Et genre, si on set up une genre de palette, un peu un truc qui remonte, bah, on peut peut-être faire un Lloyd par-dessus la barrière, arriver sur les petites plaques là. Il y a un petit peu d'enjeu. Je voudrais pas décaler, mais en vrai ça peut se faire. C'est qu'on va devoir déplacer l'isolant qui est ici là, et on a trouvé un petit transpalette. En fait, leur recette, c'est vraiment des blocs d'isolation. Sauf que les blocs d'isolation, bah, c'est bien dur. C'est très très dur. Bah, normalement, le setup est bien. Après, c'est pas trop trop large, mais on va voir ce que ça va donner. Ouais, je pense que j'ai pas assez de précision pour bien Lloyd. Genre, tu tournes, t'as plus de visibilité sur le truc. Et quand tu vois le truc, bah, t'es déjà sur ta récepte. Et moi, je décale un peu, donc là, il y a trop d'enjeux. On va jouer safe. Matt, il sent que c'est un peu chaud pour lui, Lloyd, genre au niveau du décalage. Moi, je pense que ça le fait. Du coup, bah, on va se lancer là. Ça va faire des bonnes sensations, franchement. Faut pas trop décaler. Allez, c'est parti. Yes, let's go, les gars. Oui! Les gars, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Le soleil se couche, nous on va se rentrer. En vrai, c'était une putain de session. On kiffe trop les journées comme ça où il se passe plein de trucs. On espère que vous kiffez aussi. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre shop. On vend plein de choses, plein de vêtements. À dimanche prochain. Ciao!